Cette complainte étrange, c'est la chanson de Roland, telle qu'elle fut peut-être au temps où les hommes bâtirent les murs et les tours de cette abbaye romane, aujourd'hui en ruine. Un manuscrit découvert au siècle dernier dans une bibliothèque de l'université d'Oxford en Angleterre, un pauvre petit manuscrit du format de nos livres de poche actuels, sans enluminure ni dessin, nous en a conservé les paroles. Ce texte, copié sans trop de soin dans la seconde moitié du XIIe siècle par un scribe inconnu dont la langue fourmille de particularismes anglo-normands, sous une graphie moderne, en voici les premières lignes, celles par lesquelles commence la chanson. La langue de la chanson de Roland porte encore bien visibles les traces de ses récentes origines latines. Carles li reis, ces S à la fin de nom commun masculin singulier rappellent la terminaison du nominatif latin en us. Ils sont la marque du cas sujet, réminiscence de la déclinaison latine qui subsistera dans notre langue jusqu'à la fin du XIVe siècle. Nostre empereur Magnus. Magnus, c'est à peine francisé l'adjectif latin magnus qui signifie grand. Notre compréhension bute sur bien des mots et sur bien des tournures de ce français naissant, et il nous faut aujourd'hui véritablement traduire ce texte pour qu'il nous redevienne accessible. Carles li reis, Nostre empereur Magnus, Charles le roi, notre grand empereur, Setens tu plains, ad estet, a été et resté en Espagne, 13 ans jusqu'à la mer conquis la haute terre, ni ad castel qui devant lui remaine, du verbe latin remanere, rester, subsister, plus un château devant lui ne subsiste. En traduisant ce texte ancien en phrases modernes, nous obtenons un texte en prose sensiblement différent par sa nature du texte dont nous sommes partis, car sous sa forme originale, c'est en vers qu'a été écrite la chanson de Roland, mais en vers d'un genre particulier. Habituellement, ce qui nous permet de distinguer à première lecture un texte en vers d'un texte en prose, c'est la présence de la rime. Dans ces 4 vers d'Alfred de Vigny, par exemple, nous voyons aussitôt qu'encore rime avec corps, valet avec consoler. Et cette poésie rimée, c'est généralement pour nous tout simplement la poésie. Dans la chanson de Roland, on chercherait en vain de véritables rimes. Magnus ne rime ni avec Espagne, la diphtongue AI ne prendra le son E qu'au cours du XIIe siècle, ni avec Altaigne, ni avec Romaine, ni avec aucun des autres mots qui suivent. Par contre, tous ces mots possèdent un élément sonore commun. C'est le son A, autour duquel est bâtie leur dernière syllabe accentuée. Ici, à la différence de la rime, on ne tient compte ni de la façon dont les mots s'écrivent, ni des variations que font subir à la dernière voyelle accentuée les lettres qui la suivent ou la précèdent. On dit de ces mots, à la parenté sonore imparfaite, qu'ils assonnent entre eux, et chaque strophe ou laisse, comme il convient de dire pour cette forme de poésie, est formée de la suite des vers où la même assonance se trouve répétée. La laisse assonancée se prête mieux que la strophe rimée à une diffusion orale. Et si la chanson de Roland a pu être connue d'un très vaste public à une époque où les livres étaient rares, c'est qu'elle se présentait à lui non sous la forme d'un texte écrit, mais sous la forme d'un long récit colporté de bouche à oreille par des bateleurs errants, les jongleurs, à qui il suffisait de se rappeler l'assonance d'une laisse pour retrouver la suite de ces vers, quitte au besoin à en improviser facilement de nouveau au gré de leur talent ou de leur fantaisie. Mais les jongleurs, conteurs, musiciens et poètes ne se contentaient pas de réciter ces paroles de leur chanson de Roland à tous ceux qui voulaient bien payer pour les entendre. Ces vers, ils les chantaient,
en s'accompagnant de leur vielle, sorte de petit violon à trois cordes, semblable à celui que ce musicien tient ici sur ses genoux. Aucun parchemin ne nous a conservé cette musique de la chanson de Roland que les jongleurs chantaient. Le manuscrit grâce auquel nous en connaissons aujourd'hui les paroles ne nous offre pour toute éventuelle indication musicale que ces trois lettres mystérieuses A, O, I qui figurent en marge de la plupart de ces laisses. Ce serait là, pour certains érudits, la marque d'une sorte de refrain musical qui aurait permis au chanteur de reprendre son souffle entre deux couplets. Et nous n'en saurions pas davantage si nous ne possédions d'autres manuscrits musicaux de l'époque où sont transcrits, selon un système de notation bien différent de celui d'aujourd'hui, les neumes, les séquences et les tropes qui se chantaient en latin aux cérémonies de l'Église. Par l'étude de ces mélodies, en procédant par déduction, par analogie, par recoupement, les spécialistes parviennent à se représenter de manière approximative les airs que les jongleurs chantaient. Mais la chanson de Roland, si elle est la plus belle, la mieux composée et la plus antique peut-être, n'est pas la seule chanson qui figurait au répertoire des jongleurs. Ces grandes chansons qu'on appelait « chansons de gestes », d'un mot pluriel latin « gesta », qui signifie « les actions » et dont se servaient alors les moines pour désigner les chroniques historiques qu'ils rédigeaient, il y en avait alors pour tous les goûts et pour tous les publics. Il y en avait de pieuses pour les pèlerins qui se pressaient en foule aux portes des sanctuaires. Pour les bourgeois et les marchands des foires, il y en avait de populaires où les nobles seigneurs sont parodiés, moqués, et où, par contre, la malice des femmes et le bon sens du petit peuple mis à l'honneur. La chanson de Roland est d'une autre veine. Les femmes y jouent un rôle des plus modestes. Aude, la belle Aude, la fiancée de Roland, n'apparaît que pour mourir en 25 vers tout à la fin de la chanson. Les gens du peuple, les vilains, eux, sont totalement ignorés. Quant aux clercs et aux prêtres, qui par ailleurs sont en fort mauvais terme avec les jongleurs qu'ils accusent d'être porteurs de toutes les turpitudes, on ne signale leur présence parmi les héros de la chanson qu'à l'heure d'enterrer les morts. Le seul d'entre eux qui soit nommé et à qui un rôle moins épisodique soit dévolu, c'est Turpin, l'archevêque de Reims. Mais plus que l'homme d'église, c'est le chevalier Mitré quand Turpin la chanson célèbre. Par le champ de bataille, va Turpin, l'archevêque. Jamais nul ton suré ne chanta une messe qui ait pu de son corps faire autant de prouesses. Il cria aux païens, « Dieu tout mon te transmette, tu l'as tué celui que de cœur je regrette. » Son bon cheval il lance contre son adversaire et frappe du païen son écu de Tolède que d'un tel coup là-bas mort dessus l'herbe verte. À la bataille d'Hastings, qui, en 1066, permit au duc de Normandie de s'installer sur le trône d'Angleterre, c'est ainsi qu'a combattu Odon, évêque de Bayeux, auprès de son frère, Guillaume le Conquérant. On raconte qu'à cette même bataille, le jongleur Taillefer, chevauchant devant les escadrons normands, aurait entonné la chanson de Roland afin que l'exemple d'un vaillant guerrier enflamme ceux qui allaient combattre et vaincre. La tapisserie de Bayeux, qui est en quelque sorte le récit en image de cette conquête de l'Angleterre, a négligé la figure du jongleur Taillefer, mais elle nous montre ces vaillants chevaliers dont il aurait soutenu les efforts par ses chants, qui proclamaient à l'envi qu'il n'était pas au monde de vaillance ou de bravoure qui ne fût l'apanage du chevalier français. Le preux Roland parmi les champs chevauche. Tiens du rondal qui bien troche et qui taille. Des sarrasins, alors il fait grand carnage. Il faut le voir jeter l'un mort sur l'autre. Et de sang clair rougir toute la place. Quand sont couverts son haubert et ses bras. Et son cheval du col jusqu'au poitrail. Roland est l'ancêtre idéal auquel se réfèrent tous les chevaliers français du temps.
La chanson ne nous dit jamais s'il est brun ou blond, grand ou petit, chacun peut s'identifier à lui s'il s'en croit digne. Ce n'est pas pour lui-même que Roland remporte des batailles, conquiert villes et royaumes, c'est pour son oncle et suzerain Charlemagne, empereur. Jusqu'aux alentours de l'an 1000, Carloman, fils de Pépin, est représenté comme ici sur cette miniature, sous les traits d'un empereur romain imberbe et dans la force de l'âge. C'est vers la fin du XIe siècle que Charlemagne devient ce vénérable vieillard à la barbe fleurie que nous décrit la chanson de Roland. De sous un pin, auprès d'un églantier, un grand fauteuil tout d'or pur est dressé. Là sied le roi qui douce France tient. Blanche à la barbe et tout fleuri le chef. Son corps est beau, son maintien est fier. Aux yeux de tous, il sait se désigner. Ses ennemis le croient âgé de plus de 200 ans. À la surface du monde, telle que se l'imaginent les géographes du temps, il règne sur la totalité des terres chrétiennes. Seule l'Afrique échappe encore à son autorité. Charlemagne est le souverain prodigieux d'un siècle d'or qui ne diffère de l'époque où vivent les auditeurs de la chanson que parce que tout y était alors plus grand, plus noble et plus simple aussi. Car ce suzerain incontesté, lui-même le reconnaît, sans ses vassaux, il n'est qu'une tête sans bras. Charles empereur appelle ses Français. Seigneur baron, je vous aime et vous crois. Tant de batailles avez faites pour moi. Terre conquise et détrônée de roi. Bien le connais que merci vous en doit. Vous donnerez terres et grands avoirs. Ces terres et ces richesses nouvelles, les chevaliers de Charlemagne iront les prendre à un ennemi qui présente sur tout autre l'avantage qu'aucun respect ne lui est dû ni dans sa personne, ni dans ses biens. L'ennemi de Charlemagne, c'est l'ennemi de Dieu, le païen, l'infidèle, qu'il ne s'agit pas seulement de vaincre, mais qu'il faut exterminer. C'est ce programme qu'appliquent scrupuleusement les chevaliers français qui, tout au long du XIe siècle, passent chaque année les Pyrénées pour aller faire le coup de lance contre les Sarrasins qui occupent depuis plus de 3 siècles la majeure partie de la péninsule ibérique. Il en résulte d'interminables conflits avec les chevaliers des petits royaumes chrétiens du nord de l'Espagne que les nobles français sont censés venir soutenir dans leurs efforts de reconquête. Car les musulmans font la prospérité de ces villes que le passage des Français transforme en un désert. Une longue cohabitation a d'ailleurs accoutumé chrétiens et musulmans d'Espagne à une relative tolérance réciproque. Et au grand scandale des chevaliers français, on peut voir le plus grand capitaine des chrétiens espagnols, le rival castillan dans la mémoire des hommes du preux français Roland, Rodrigue, le Cid Campeador, mettre alternativement son épée au service du roi chrétien de Castille et à celui du prince musulman de Saragosse contre lequel combattent les Français. Jamais notre Roland n'aurait commis une semblable infamie. Combattre dans le camp des Sarrasins? Mais quelle horreur! Un bon chrétien ne doit pas discuter avec ces gens-là. Ces moricons ne sont même pas vraiment des hommes. Mais ils ne pensent pas comme nous. Chacun d'eux a plusieurs femmes et ils ne boivent pas de vin. On ne peut pas faire confiance à ces animaux-là. Parjure, sans honneur et sans entrailles, voilà l'ennemi sans foi ni loi auquel s'opposent les chevaliers venus de France. Et le crime de Ganelon sera d'avoir conclu un pacte avec cette engeance si totalement dépourvue de toutes vertus humaines. Propre beau-frère de Charlemagne, mari de la mère de Roland, Ganelon n'est pas un traître prédestiné. Il a été un vaillant chevalier jusqu'au jour où il a fallu désigner qui porterait aux Sarrasins les conditions de paix de Charlemagne. Franc chevalier dit l'empereur Charles, hormélisez un baron de ma marche, qui portera au païen mon message. Prenez Ganelon, dit Roland, mon paraître. Dit français, il est comme à le faire. Lui écarté n'y enverrait plus sage. De là naît le drame. Car la chanson de Roland est un drame découpé en véritables scènes dialoguées, pareilles à celles que nous venons d'entendre et où s'affrontent, tels des acteurs, les personnages auxquels le jongleur, à tour de rôle, prête sa voix. De scène en scène, l'action progresse, cette action tout entière voulue et décidée par les acteurs du drame. C'est déjà l'ébauche d'un spectacle dont les décors et les costumes seraient fournis par l'imagination des auditeurs. Ô sont les puits et les vals ténébreux, les roches bises, les détroits merveilleux. Par ces deux vers, le jongleur invite maintenant ceux qui l'écoutent à se transporter en pensée dans la vallée de Roncevaux. Ganelon a trahi.
Charlemagne et son armée sont repassés en France et 400 000 païens sont prêts à fondre sur les 20 000 Français que commande Roland. Dans le vallon, où chevauche l'arrière-garde, retentit soudain le bruit de 1000 clairons. Olivier, le sage compagnon de Roland, pousse son cheval jusqu'au sommet d'un tertre d'où il découvre toute l'étendue de l'armée ennemie. Il faut appeler Charlemagne en renfort. Mais Roland, enfermé dans son orgueil inébranlable, prisonnier d'une conception de l'honneur qui va le conduire à sa perte, refuse obstinément de rappeler l'armée à son secours. Le dialogue, alors, s'engage. Dit Olivier, païens ont grand effort et nos Français me semblent être bien peu. Ami Roland, sonnez de votre corps, l'entendra Charles et viendra en renfort. Répond Roland, ce serait être folle. En douce France, j'y perdrais mon nom. Mais frapperai de Durandal si fort que rougirait sa lame jusqu'alors. Félons païens sont venus à grand tort, je vous le dis, tous se sont jugés à mort. Ami Roland, votre olifant sonnez. L'entendra Charles, retournera l'armée, nous secourra le roi et ses barons. Ne plaise à Dieu, Olivier compagnon, que par mon fait mes parents soient blâmés, ni France douce déchue en vileté. Mais je ferai de Durandal assez ma bonne épée qui est sainte à mon côté. Vous en verrez le fer ensanglanté. Pour leur malheur, sont païens assemblés, je vous le dis, tous sont à mort livrés. Ami Roland, sonnez votre olifant. L'entendra Charles qui est au port passant, je vous le dis, s'en reviendront les Francs. Ne plaise à Dieu, a répondu Roland, que ne soit dit de nul homme vivant que pour païen ait sonné l'olifant. Point n'en auront reproche mes parents. Quand je serai dans la bataille grand, je frapperai, et 1000 coups, et 700. De Durandal verrai l'acier sanglant. Français sont bons, frapperont vaillamment, et ceux d'Espagne n'auront de mort garant. À 3 reprises, Olivier a exprimé la même idée, parfois avec les mêmes mots, et 3 fois Roland lui a répondu en réutilisant les mêmes arguments. Seul à chaque fois, l'ordre des mots a changé et par voie de conséquence, la coloration sonore des laisses. Sonnez de votre corps, et voici la première laisse bâtie sur cette sonorité. Votre olifant, sonnez, c'est la même idée reprise dans une autre assonance. Sonnez votre olifant, et de l'utilisation de cette finale nasale, naît le sentiment d'angoisse qui caractérise cette dernière tentative d'Olivier. Et pour conclure cet affrontement, le jongleur va user d'une troisième sonorité à la fois sourde et traînante, d'où naîtra ce climat de renoncement et de fatalité dans lequel cette joute verbale s'achève. Dit Olivier, point n'en aurait de blâme, car j'ai bien vu les Sarrasins d'Espagne. Couverts en sont les vals et les montagnes et les prairies, et très toutes les plaines. Grande est l'armée de cette gens étrange, et notre troupe en regard est bien faible. Répond Roland, et mon ardeur y gagne. Ne plaise à Dieu ni ne plaise à ses anges, que par moi France en perde son lignage. Mieux vaut mourir que manquer de courage. Quand nous frappons, l'or, l'empereur nous aime. Roland mourra comme Olivier et tous leurs compagnons, mais pas immédiatement. Il faut d'abord que se déroulent toutes les péripéties de la bataille. Ensuite, il faudra venger les martyrs de Roncevaux, punir le traître Ganelon. La chanson de Roland compte plus de 4000 vers. Si l'on estime à 700 environ le nombre des vers qu'un jongleur peut chanter en une heure, c'est donc 5 bonnes heures qu'exigeait la récitation complète de la chanson de Roland. D'un seul tenant, ce devait être beaucoup, aussi bien pour l'attention des auditeurs que pour la résistance physique de l'interprète. La récitation d'une chanson de gestes suppose donc une division en séances distinctes. La longue laisse que nous allons vous faire entendre marquait sans doute jadis le terme d'une de ces séances. Voici près de 2 heures que le jongleur chante. Il arrive au bout de ses forces. Roland, lui, ne mourra que 1000 vers plus loin, mais ce sera pour une autre fois. Et, dans un grand luxe de mise en scène, le jongleur annonce à ses auditeurs ce qui fera l'objet du prochain épisode de son sublime feuilleton. La bataille est merveilleuse et pesante, mon bénéfice, Olivier et Roland. Va l'archevêque, plus de 1000 coups donnant, les 12 pères frappent tous vaillamment, et les Français périssent communément. Meurent païens à milliers et à 100, qui ne s'enfuit de mort ni à garant, le veuille tout non, tous ils laissent leur temps. En France, les moules perveillent et tourments,
Enragia de ton air et de vent, plie et grésille démesurément, tombe la foudre et menu et souvent, la terre tremble, cela se vit vraiment. De Saint-Michel des Ferrils jusqu'à Sens, de Besançon jusqu'au port de Vissant, il n'est maison dont un mur ne se fend. Disait plusieurs, voici la fin des temps, la fin du monde qui arrive à présent. Ils ne savent ce qu'ils disent vraiment, c'est le grand deuil pour la mort de Roland. Ce grand capitaine, pour la mort duquel les éléments se seraient déchaînés dans un renouvellement de cataclysmes annonciateurs de l'an 1000, ce preux Roland, dont on montrait la tombe aussi bien à Blaye, sur les bords de la Gironde, qu'en terre d'Otrante, au sud de l'Italie, a-t-il seulement réellement existé? Les premiers textes qui mentionnent la bataille historique où il aurait perdu la vie l'ignorent, comme ils ignorent le nom de Roncevaux. Cette bataille elle-même, où le 15 août 778, les montagnards chrétiens gascons et navarrais pillèrent les bagages du jeune roi Carloman, qui ne sera que 22 ans plus tard l'empereur Charlemagne, on ne sait si elle fut ce grand désastre militaire dont le souvenir, des siècles durant, aurait inspiré des complaintes populaires, dont nous ignorons tout, ou si ce ne fut qu'une simple escarmouche d'arrière-garde, aussitôt oubliée. Est-ce l'histoire qui a donné naissance à la légende, ou bien est-ce la chanson qui elle-même est devenue l'histoire, à tel point qu'aujourd'hui, on ne peut évoquer la figure de l'empereur à la barbe fleurie sans penser aussitôt, comme l'auteur de cette gravure 1900, à la mort de son neveu Roland qui, lui, peut-être, n'a jamais existé. Ce n'est pas l'un des moindres attraits de la chanson de Roland que d'être, pour les chercheurs, un des plus beaux sujets de controverse de notre histoire littéraire. On ne sait pas qui l'a écrite. Le manuscrit qui nous en a conservé les paroles mentionne en son dernier vers le nom d'un certain Turoldus. Ce Turoldus est-il l'auteur du poème, un jongleur qui chantait la chanson ou bien encore le copiste auquel il l'aurait dicté? Est-il l'auteur d'une chronique plus ancienne et qui s'est égaré? Et cette chanson, dont aujourd'hui encore le héros domine de sa gigantesque statue, symbole des libertés communales, les places de certaines villes de l'Allemagne du Nord, cette chanson qui fut traduite jadis dans toutes les langues de l'Europe, on ne sait avec certitude ni où ni quand elle fut composée. Mais par-delà tous ces problèmes, il est une œuvre qui demeure. Sa langue nous est devenue obscure, sa musique s'est perdue et les jongleurs sont morts. Que notre imagination consente un instant à les faire revivre. Que par leur voix, les vers de la chanson retrouvent un peu de leur pouvoir émotif et peut-être alors accepterons-nous de voir surgir de la matière inerte ces héros hors nature qui naquirent jadis du souffle de l'épopée. Mort est Roland, Dieu son âme au ciel. Charles empereur en Roncevaux parvient. Là il n'est pas de terre ou de chemin. Où ne se voit français, morts ou païens. Charles s'écrie, où es-tu, beau neveu? Où sont Turpin et le comte Olivier? Où sont Gérard et son ami Gérier? Où est Othon et le preux Béranger? Yves et Ivoire qui tous m'étaient si chers, qu'est devenu le Gascon? Où est Gérard de Roussillon le vieil, les douze pères qui si j'avais laissé, nul ne répond, rien ne sert d'appeler. Et si, nul ne répond, rien ne sert d'appeler. Dieu dit le roi, il me faut regretter de ne pas m'être en ce combat trouvé,
tire sa barbe et commence à pleurer. Et le front baisse, ses barons chevaliers.